Et salut à vous et bienvenue pour cette découverte d'Astro Playroom. Et je découvre en direct ces fameuses vibrations de la DualSense. Je trouve que c'est pas mal. Le rendu est plutôt très réaliste. Vraiment. Allez, sans plus attendre, on attaque ce jeu. Cette expérience a été conçue pour vous présenter les incroyables capacités de la nouvelle manette. Très bien, prêt à rejoindre Astro pour une aventure au cœur de votre PS5. C'est parti. Donc normalement, j'ose imaginer que c'est du 60 FPS constant. Et je suis sur une télé 1080p, non 4K. Ouais, il y a une certaine précision quand même dans la vibration. Ouais, il y a une certaine précision tout de même. Gâchette. Ah oui, ouais, c'est quand même quelque chose. Ouais. Ouais. On a du mal. On a l'impression qu'elle est comme ça d'origine. Donc il n'y a que les gâchettes qui sont adaptatives, très bien. Non, j'avoue qu'il y a quelque chose. Ok, ensuite, le pavé tactile. Ouais, très bien. Une petite vibration, forcément. Alors, là, j'attends ça avec impatience. Est-ce qu'on va vraiment ressentir les bottes qui sont dans la manette quand je vais la bouger ? Ouais, franchement, je les sens tomber et atterrir dans la poignée droite. Et quand je tourne, je les sens tomber et aller dans la poignée gauche. Si je vais en arrière, oui, ça, c'est, ça ressemble. Ouais. Faut être sincère. Faut être sincère. Je pensais que c'était un peu de l'arnaque, mais tu as vraiment l'impression qu'il y a quelque chose dans ta manette. Et que cette chose est en train de se déplacer à l'intérieur avec le centre de gravité. Bon, très bien. Le micro. Il faut souffler, c'est ça? Ben oui. D'accord, je les entends crier à l'intérieur. Ouais, bon, j'avoue qu'il y a quelque chose quand même. Faut être sincère, je suis en totale objectivité avec vous. Alors, graphiquement déjà, ça casse pas trois pattes à un canard, j'ai envie de dire. Non, on a l'impression, il n'y a pas d'aliasing du tout. C'est fou, il n'y a pas d'aliasing du tout. Alors, effectivement, ça crie dans la manette. Ouais, on sent le mécanisme. D'accord. J'éjecte mon petit Astro, que vous connaissez bien maintenant, hein, grâce à Astro Rescue Mission. Très bien, ouais, on sent les pas. Très bien, bon là. En fait, ils ont gardé le même moteur, ils ont gardé la même jouabilité. En fait, ils avaient juste à créer un monde, c'est tout. Hein. Ouais. Je sais pas si vous entendrez le son qui sort de la manette, mais bon, ça c'est quelque chose de nouveau. Hein. Bon, le gameplay c'est exactement le même. Hein. On va casser la vitre, j'ai bien compris. Très bien. Donc là il y a des fils. Ça, c'est le processeur. Nous sommes dans une PlayStation 5, si je me trompe pas. Ça, c'est le GPU. La mémoire. La PlayStation. Oh là là. Nous allons vous laver le cerveau. Et nous allons
place du CPU. Très bien, c'est la place du CPU. Très bien. Alors là déjà, quand on court sur le vert, les vibrations sont différentes. Ouais. Oui, tu ressens la surface. Tu ressens la surface. Ouais, c'est pas mal du tout. Alors, est-ce que c'est moi qui choisis l'endroit où je vais aller? J'ai même pas regardé ce qu'il y avait écrit. Tellement que je suis pressé. Prairie de la Rame. Ouais, c'est exactement pareil, quoi, en fait. Sauf que là, ils l'ont étendu sur des niveaux peut-être un petit peu plus grands. Petite musique qui va bien. Est-ce qu'il y a une vue à la première personne? Est-ce qu'il y a des easter eggs? Je sais que ce jeu est bourré d'easter eggs. D'accord, la première d'une longue liste. Ben c'est plutôt pas mal. Allez, on se laissera pour un prochain épisode.
Oh, puis finalement, on va continuer. Alors. Ouais, dans l'herbe, on ressent les choses aussi assez, assez spéciales. Je pense pas que ça définirait de l'herbe. Alors déjà, ici, il y aurait un petit secret, non? Non. Alors, ça serait pas un petit easter egg de flower, je pense. Je pense. Je pense. Bon, après, bon, c'est pas sur ce jeu que tu vas juger les capacités techniques de la PS5. Hein. Mais bon. Déjà, ça tourne très bien, c'est le plus important. La manette, il y a quelque chose. Hein. Ouh, il y a du vent. Ouh, il y a du vent. Oh, ça bouge, les fleurs, ça bouge. Ça bouge. Parfait. Big Boss. Ça, c'est du trophée. J'aime bien ce trophée. Est-ce qu'il n'y avait pas un petit secret par hasard? Non. Alors, ici, c'est quoi? Qu'est-ce que ça pourrait être comme easter egg, ici? Aucune idée. Et là-bas? Ça serait quoi? Medieval? Medieval, plutôt? Alors, la boue. Qu'est-ce que ça donne, la boue? Oui, on a l'impression de s'enfoncer. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose pour simuler la boue. C'est médiéval. C'est médiéville, ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est médiéville. C'est sûr et certain, c'est médiéville. Ok. Bon, on va essayer au moins de terminer le niveau rapidos. D'accord, ça permet un petit pont de se mettre en place. C'est exactement les mêmes mobs. Hein. C'est exactement les mêmes mobs. Comment je fais pour aller là-bas par contre ? Une possibilité ici. Ok. En tout cas, c'est moins pixelisé qu'avec le PlayStation VR. Une manette de PlayStation. Que de souvenirs. Magnifique. Y a pas le fil, elle est fausse. Il n'y a pas le fil. Je peux agrandir. Ouais, non, il y a quelque chose avec les gâchettes. Là, on sent que c'est un peu plus dur pour le zoom. Il y a quelque chose qui se passe là. L'empoigner, c'est l'adopter. J'avoue que ça a été une révolution, cette manette. Hein. Les mobs, c'est les mêmes. Vraiment les mêmes. Allez. Alors ici, ça serait quoi? Sable mouvant. Oh, c'est sûr. C'est... Excellent. C'est Sam Porter. C'est sûr et certain. Sam Porter de Death Stranding.
data 8 bits, 8 mégabits. C'est énorme. Non. J'avoue que quand tu aimes les jeux vidéo, tu ne peux que... En plus, il y a le... Bridges. Il y a le logo. Hein. Pour ceux qui pourraient penser que non, c'est pas Death Stranding, mais il y a le logo Bridges. Hein. C'est sûr. Non, j'avoue que là, ils ont eu mon cœur de gamer. Alors, c'est quoi cet item, là? On sait pas ce que c'est. Je pense qu'il faudra aller dans une zone spéciale pour le découvrir. Non, quand tu marches dans la boue, il y a quelque chose de spécial. Ensuite... En fait, ça te donne envie de découvrir... tous les easter eggs des bots. Hein. Ça serait pas... Enfolded, le jeu de Media Molecule, par hasard. Tout en papier. Bon, j'avoue qu'il y a quelque chose. D'accord, ok. J'ai vu une memory stick. D'accord, fallait attraper le plastique. Ici, il y a une memory stick. Est-ce que je peux faire quelque chose avec? Je peux rien faire. Ici, qu'est-ce que je peux faire avec le plastique? Là. Oh là là, il y a du vent. Il y a du vent. Le vent est bien retranscrit. Hein. Mais ça doit consommer quand même. Hein. Mais laisse-moi tranquille, saloperie. Ok, j'ai un parapluie. Ok. Là-bas, j'y suis allé ou pas? Je pense pas y être allé. Hein. Je suis pas allé là-bas. Pas monté là. Il y avait quelque chose d'autre que j'ai pas vu. C'est bizarre. Comment on fait pour monter alors? Je peux grimper là? Alors, il y a un PlayStation VR. Comment je fais pour y aller? Un qui est en train de grimper. Ah, mais c'était par là. Ah, mais c'est une manette, le nuage. Et là, c'est une PlayStation. Ah, c'est comme ça que tu grimpes, d'accord, ouais. C'est bourré de secrets, clairement. Plein d'endroits. Oh, Ico. Ico du jeu Ico. Avec le canapé pour sauvegarder. J'avais beaucoup aimé ce jeu à l'époque. J'avais vraiment beaucoup aimé ce jeu. Et ici, dans l'arbre, il y a qui là-haut? Il y a quelqu'un en train de manger des raisins. Et lui, par contre, je vois pas ce que ça peut être. Il est en train de retirer les pétales. La souris PlayStation, je ne l'ai pas connue. Je ne l'ai pas connue du tout. Vraiment pas connue. Et ici, qu'est-ce qu'on a ?
Mario Golf, peut-être. Mario Golf. Il y a un jeu de golf en VR. Jamais fait gaffe. Non, je connais pas un jeu de golf en VR. Bon, du coup, on peut passer par là. Ici, on va ouvrir. Est-ce que c'est chronométré? Ah oui, d'accord. J'étais déjà venu, c'est vrai. Est-ce que c'est un easter egg de Shadow of the Colossus? Non, c'est un easter egg de The Last Guardian, peut-être. Aucune idée. The Last Guardian? Oh, la pluie, je ressens la pluie dans la manette. C'est bien foutu. C'est bien foutu. Ok. Très bien. Alors ici, easter egg. Un origami avec un mort, c'est Heavy Rain, clairement. Heavy Rain, ouais. Heavy Rain. Ici, c'est quoi? Il se sèche avec une serviette. Aucune idée. Parfait. Bon, voyons voir. La grêle. Tu la sens vraiment bien. Ouais, tu sens la différence de... J'espère que ça sera... C'est vrai que... Bon, j'ai perdu l'habitude de jouer avec la vibration. Mais franchement, une vibration comme ça... très immersive, je vous cache pas. Je vous cache pas que c'est très plaisant. Est-ce que c'est la fin du niveau? Ouais. Non. Il a eu une très bonne idée. Tu sens que Cédric Doucet ou Cyril Doucet, c'est un mec qui joue aux jeux vidéo depuis son enfance, clairement. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Pourquoi? Parce qu'il connaît tous les codes des jeux de plateforme. Et je disais que c'était du plagiat pour Astro... Astro en version VR, mais en fait non, je me suis rendu compte qu'en fait, vu les niveaux qui passaient et vu les titres des niveaux, je me suis rendu compte que c'était plus un hommage et non un plagiat. Et ça, je l'ai dit en off. Hein. Je l'ai dit. Bon, alors c'est quoi? On met une combinaison. D'accord, j'avance comme ça avec le stick. Ok, d'accord. Ah ouais, non, c'est vraiment que le... C'est vraiment que le pavé tactile qui sert à diriger. Allez, on y va. Une carotte. Oh, Jumping Flash. Jumping Flash, pour ceux qui connaissent pas, c'est un des premiers jeux de la PlayStation. Ici, c'est quoi? J'aimerais bien reconnaître cet easter egg. Est-ce que c'en est un, d'ailleurs? Un qui le regarde et qui est content. Bref. Passage danger de mort. On tente. On est des ouf. On tente le passage danger de mort. On tente. Oh, parfait, une memory cards. Ça fait plaisir. Et si on la tourne, ça fait quoi? Rien de noté. Très bien. Ben, on continue.
Alors d'abord, on va essayer de voir s'il y avait des easter eggs. Non, c'est pas bon là, en fait, je suis en train de découvrir... Oh putain. Non, non, bon, on va tracer. Ouais, je ressens vraiment la surface accidentée là. C'est incroyable. Oui, oh, comment ça? Est-ce que je peux faire quelque chose? Très bien, ici à gauche, il y a quoi? Je peux pas tourner la caméra, c'est ça le problème. Oh là là. Ah, je peux freiner. Je peux freiner direct. D'accord, je comprends mieux. C'est pourquoi. Un artefact spécial. Astrobot. Team Azobi, donc c'est quoi? C'est tout de noir vêtu. En fait, c'était pour montrer que le CD de la PlayStation première du nom était noir, en fait. La face de lecture était noire. Et là, ils font quoi? Ils jouent à quoi? Continue, continue, shuffle. Ils étaient sur le programme de CD audio. Avec la télé Azobi et la PlayStation. Très bien. Ah oui, d'accord, tout est collé maintenant. On va pouvoir aller à gauche. Très bien. À droite, il y a quoi ici? D'accord, c'était pour un secret. Parfait. On est parfait. Bien. Ouais, non, j'ai pas pu avoir la dernière. J'ai pas eu le temps de l'avoir. On va souffler. Je souffle pas assez longtemps. Je soufflais pas assez longtemps, messieurs. La prairie de la femme, la tempête électronique. Oh, il est long le niveau, n'empêche. Putain. Une demi-heure de vidéo. Ça fait long, là. Alors là, ça joue à quoi, là? C'est un hommage à quoi, ça? Afterburner, je dirais, c'est bizarre. Mais bon. Pourtant, c'est pas une licence PlayStation. Tu me diras, il n'y a pas que toute la licence PlayStation. Hein. J'ai vu qu'il y avait des easter eggs de Capcom, donc avec Resident Evil. Mais c'est vrai qu'ils touchent ton cœur de gamer hein, avec ces easter eggs. Parce que ça te force à essayer de découvrir. Je pense que c'est une superbe idée. Oh là là, oh là là. C'est une phase clairement de Mario, ça. K-Mongol. K-Mongol. Comment je fais pour y aller là-haut? Alors ici, c'est comme ça. Parfait. Ouais, une grande phase carrément. Et ici, c'est quoi? C'est... Est-ce que vous pensez que c'est Sekiro? Ou c'est... Ou c'est Ghost of Tsushima? Je dirais que c'est plutôt Ghost of Tsushima.
D'accord, faut pas aller trop, faut pas rester trop longtemps. Si tu restes trop longtemps, le nuage. Bon allez, ça sera tout. Ou pas, je sais pas, je comprends. Bon, on va se quitter ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous très bientôt. Ouais, c'est sympathique. On verra bien ce que ça donne sur le jeu complet. Peut-être la suite en off, je sais pas du tout. Ça me donne bien envie, hein, de le découvrir en off. Allez, à plus dans le bus et à bientôt dans le bus.